Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Narcus Bonus qui vous donne la gerbe dans Mad Max. Donc, on va aller simplement ici, faire la quête secondaire, donc où il faut rentrer dans les tunnels. Je ne rappelle plus du tout c'est laquelle. Du coup, on va aller la faire, on va aller voir ce qu'on peut y trouver. Blablabla. Hop. On n'y voit rien, entre les pics, le moteur, enfin le turbo qui ressort, etc. etc., etc. on n'y voit strictement rien. Bon, nous voilà partis. Je vous rappelle qu'on a amélioré la voiture à fond. Ou presque, hein. Sauf pour le, il me semble, pour le harpon de feu où il faut faire une mission, brûler-les tous. Et le sniper où il y a encore aussi une mission pour lui à réaliser. Mais bon, pour ce qui est de la voiture en elle-même, elle est améliorée à fond. Son armement ne l'est pas. Hop. The War Rex. Pourquoi pas? Blam. Normalement, avec le pare-buffle que j'ai à l'avant, je devrais pas avoir ce genre de problème. Hein. Je suis désolé. Bam. Normalement, c'est le, voilà, c'est le caillou qui pète. Voilà. Là, je comprends. Laissez-moi rentrer. Oh, this horrid sludge. It seems to want to swallow her beautiful rubber. Par contre, ce serait bien que tu mettes les phares. T'es sérieux là? Ok. On va essayer de changer les pneus. Je suis curieux de voir si je mets des pneus lisses. A tout hasard. Hein. Ah non, hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, bon. Oh la vache. Ah ça y est, déjà il a mis les phares. Hop. This was blocked off recently. An ambush. Mais encore une embuscade, ça me dérange pas, mais ce qui me dérange c'est qu'on avance pas, Max. Oh la gueule. Allez. Hop. De toute façon, dans un sens ou dans l'autre, on n'avance pas. Hop. Donc autant aller jusqu'au bout. Allez. Allez. Ah putain. Ok. Alors là, je suis en train de sprinter. Ah, ça y est. Il s'est dit, tiens, je vais le faire. 3 ferrailles à trouver là-dedans, bah putain on n'est pas rendu. Oh nom de dieu. Pour peu qu'il y en ait dans la gadoue, il y en aura certainement. Un. J'en ai vu une. Deux potentiellement. Et même pas 3. De la bouffe. Oh, genre, t'es sérieux? Crac! Voilà, ça c'est fait. Oh putain. Ah, ils vont vraiment m'attendre en embuscade, hein, littéralement. Oh non, t'es sérieux? Ah oui, d'accord, il y a une plaque juste là. Oh! Oh! Le coup de pied, tiens, noie-toi un petit peu. Raté! Raté!
Et boum. Allez, viens, j'attends. Ça l'a pas tué. D'accord. Allez, viens, je t'attends. Oh, il est superbe leur véhicule là-bas. Ouais. Hop les. Là, je l'ai eu. Là, j'en suis sûr. Allez, monte. Ça y est. Hop, c'est bon. Ah, il s'est mis à marcher sur le gasoil, l'espace d'un instant. J'étais content. Il est beau leur machin, dis donc, ouais. Putain, il roule bien dans le pétrole. Comment il fait? Ah, mais j'ai compris. Ah bah non. Si, c'est ça, j'ai compris. Ma voiture est trop lourde. Ma voiture est beaucoup, 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 beaucoup trop lourde. Ce qui fait qu'il faut que j'enlève du blindage. Par exemple, si j'enlève ça, hop, déjà, elle est beaucoup moins lourde. Hop. Pareil pour les pics. Hop. Voilà. Et normalement là. Voilà. Je suis trop con. En plus, je lui ai dit en début d'épisode qu'elle est super lourde. Ah, oh, ça me rappelle un super épisode de comment de Top Gear où ils vont dans le Mac Radic, qui est un désert de sel en fait. Et donc du coup ils ont des voitures trop lourdes et ils s'enfoncent dedans. Buzzards. Ah non 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 non. Oh là ils sont là. Oh hey. Dégage. Au suivant. Oh. Oh. Hop, voilà. Punition sur un, comme ça on est sûr que l'autre. Hop. Hop. Crac. Ça c'est fait. Est-ce qu'il reste des gens pour négocier? Apparemment il reste des gens. Hop, j'aurais dû m'y attendre. Ah oui, il en reste et... Il en reste un paquet, qui plus est. Allez, venez. Hop, play. Est-ce que ça va vous faire peur, ça, les mecs? Raté. Aïe. Et vous me faites zéro dégâts en plus, arrêtez de me frapper, frappez-moi. Arrête d'essayer de me frapper, frappe-moi. Ça c'est la phrase de Morpheus dans Matrix. Ah putain, le double coup, j'avais oublié. Hop, le surin, c'est quand même vachement utile. Hop, raté. Crac, ça c'est fait. Apparemment il en reste d'autres encore. Ah, il parle comme j'aime qu'on parle. Alors... Par contre, il y a plein de ferrailles partout, mais rien. Ah zut. Hop. Hop les. Hop les. Allez. Ah, c'est là, d'accord. Hop. Vaut mieux se baigner dans le mazout, hein. C'est pas grave. C'est pas bon pour la peau, mais bon.
Ah bon, il l'a vu. Oh, big one. Ça c'est du poids lourd. Mais comment veux-tu qu'on le sorte? Non, sérieusement, comment tu veux qu'on le sorte? What? C'était ça? Je te vois briller là-bas. Hop. Ferraille à la con. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Oui, oui, je vois bien, il est pas en état de rouler du tout. D'accord, c'est juste pour ça. Hop. Trois pièces de ferraille. Crac. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Hop, c'est bon. Crac. Ouh. Ah puis ça fait longtemps qu'il est là parce qu'il y a un squelette carrément dedans. Donc le mec il a eu le temps de se décomposer quand même hein. Alors. Qu'est-ce que c'est? Oh, le sniper. Prendre le chargeur maximum. Ah bah le voilà. Must be what she meant. La fouille du chat de guerre a payé. Maintenant il n'y a plus qu'à sortir de ce trou à rats. Eh bah vous savez quoi, je vais sortir avec le gros machin. Alors. Du coup. C'est cool. On a le meilleur sniper. I'm out of here. Ouais, c'est vrai que ce bruit est pas du tout bon signe. Oh bah c'est bon, ils sont là, hein, cherchez pas. Et bizarrement, ça s'arrête. On va voir la marée humaine arriver devant. Non. Ah bon. From the abyss. Oh, carrying a sacred object, a relic for the magnum opus. Hop. Oh, si tu pouvais mettre. I won't take a load off. He's gone for a while anyway. Hop. Excusez-moi. Demande ce que c'est que ce véhicule. Hop. Il est super stylé. Alors, où est-ce qu'on veut aller maintenant? Eh ben on irait bien chez Pink Eyes. Alors j'ai vu qu'il y avait une quête disponible quelque part. Mais je ne vois pas où. Peut-être chez Dipfria ou à Petroville. Quoi qu'il en soit, on y va. A mon avis, les mecs qu'on a butés à droite, c'était ceux qui allaient venir nous chercher ensuite. Eh mais il est rapide ce truc en plus. Ouh. Rapide, maniable. Hop. Bah dis donc. C'est un super véhicule ça. Il perd pas trop de vitesse dans le sable. Là il y avait un petit champ de mine à mon avis. Celui qu'on a fait dans le dernier épisode je pense. Oh la vache, puis il a l'air solide en plus hein. Et il y a une accélération de malade aussi. Hein. J'aime ce véhicule. Eh bé. Je sais pas ce que je suis en train de ramener, mais ça doit être badass. Même au niveau des freins, il est balèze. Bon là, parce que j'ai mal roulé, mais... Oula. Hop.
Hop, et voilà. Je sais pas ce que c'est que ce machin. Je vais aller voir. Alors, ça sera sans doute pas une archange. La 12. Voir. Une légende connue de tous qui n'attend qu'une chose, d'être domptée. Avec ses 12 superbes cylindres, elle a une vitesse jamais vue, mais elle consomme beaucoup et sa peau fragile manque de blindage. Effectivement. Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus ? Aussi agile et rapide que le lézard de l'ombre, aussi tranchante que l'argent chromé du croissant de lune, elle fait couler le sang en éclaboussant les plus assoiffés des guerriers. D'accord. Ici, nanana. Ouais, les plus petits, du moindre coup de volant. Qui l'eût cru ? D'accord. La merveille. La machine préférée de Crow Diesel pour faire la promotion de ses courses. Ah, elle est géniale ! Un grand renfort de rythme triomphant du temps d'avant. D'accord. La prise de guerre d'un Baker seigneur de guerre de temps obscur. Mais un tel potentiel, le mariage des deux roues et de quatre roues, n'était hélas qu'un rêve. D'accord. Elles ont l'air sympas toutes ces belles. Par contre, je comprends pas pourquoi j'ai pas toutes les archanges. Ah, parce que je les ai pas toutes construites. Ah. Bah du coup, on va aller les construire. Parce que comme on a toutes les pièces maintenant. Hop, enjeu vitesse construction terminée. Une pièce manquante. Ah bon? Ah, c'est parce que je l'ai pas acheté, d'accord. Ok. Hop. Ce qui veut dire qu'on a potentiellement pas de quoi encore tout avoir. Vu qu'on n'a pas tout acheté forcément. Hop. Peut-être qu'on aura un succès à la fin, en plus ça peut être sympa. Bon, on a certaines qui ont du style, je vais le reconnaître. 1400, vous voyez, celle-là par exemple on peut pas l'acheter. Celle-là non plus. Hop. Cavalière d'argent. Elle est stylée. Ah, celle-là on l'a même pas débloqué en fait le truc. Mission d'état désolé à l'aveuglette. Faut que j'aille voir ça. Ok, gardienne de sang. Diablesse. Épine du juste. Une pièce manquante. Ah oui, non, c'est bon, je l'ai. Pointe arrière. Ah, ça peut être stylé. Ah, si c'est juste les deux petites pointes sur l'arrière, là, ça peut être stylé et donner un petit coup de... De style à une bagnole. Hop, squelette céleste. Hop, doigt rose. Je veux pas savoir à quoi ça correspond. La jack. Hop, celle-là on l'avait déjà. Et on les a toutes faites. D'accord. Par contre du coup faut que je refasse toutes mes perfs à fond. Hop, ici rien. Ici rien. Hop. Ici le plus gros truc. Ici aussi. Ici on met les pneus moyens, comme d'habitude. Hop, ici. Ah d'accord, c'est celui-là qu'on n'a pas. D'accord. Ok. J'ai déjà le plus haut. Bon. En soi, c'est pas grave. Nitro max. Celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Bon, on va mettre celle-là. Eh, ça peut être stylé, je l'avais dit. Hop. Du coup j'ai pas envie de mettre, j'ai envie de mettre des trucs comme ça, des vrais pneus en fait, pas des trucs trop... Hop. Et je reviens un instant. Hop. Voilà, re chers amis, donc on va remettre quand même une bonne petite peinture. Est-ce qu'on avait des brûleurs dessus ou pas? Ouais, il nous manque le dernier brûleur. On peut voir sur le côté là. Au niveau de l'aile avant gauche, à l'arrière de la roue. Une nouvelle peinture on avait dit, donc on va mettre une peinture... Grise, une peinture noire, noir. Noir, noir, c'est beau, noir. Noir, c'est classe. Hop, on est bon. Par contre, on va changer de carrosserie. Il y a celle-ci. Oh, je l'aime pas, je la trouve moche. Celle-là, c'est celle qu'on avait, non? Enfin, oui, ça ressemble à celle qu'on avait. Hop, celle-ci, c'est laquelle déjà? Ouais. On passait à celle-ci, oh non, celle-là, hop. Quitte à faire un truc moche, autant le faire vraiment moche. Ok. Donc là, on est bon. Je pense que c'était chez Pinkai qu'il fallait ramener ça, mais non.
On a aussi celle-ci à faire, mais on la fera dans un prochain épisode, je pense. On va aller faire quelques reliques historiques, je pense. Quelques reliques historiques, mais il y en a un paquet, dis donc, ouais. Ou alors on va aller faire une course, puis ensuite on va aller faire une relique historique. Ça serait peut-être mieux, ça. Il y en a une juste là, d'ailleurs. Hop, ben on va aller se la faire. On va aller se la faire. Hop. Si, au niveau du véhicule, j'aimerais juste modifier quelques petites choses. Au niveau des ornements. J'aimerais mettre des ornements de vitesse. Voilà, accélère à vitesse de pointe. Hop. Attaque, vitesse de pointe. Ressemble à quoi celui-là? Ouais, on le voit pas des masses. Il est pas mal celui-là. Hop. Nanana, 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 nanana. Vitesse de pointe, c'est le vélo aussi. Ouais, bah le vélo, c'est bon. Hop, on l'a mis suffisamment longtemps. Voilà, donc on est à fond vitesse de pointe. On n'a pas d'accélération, par contre, on n'a pas sur l'accélération. Du coup, je suis curieux de voir ce que ça va donner. À niveau maniabilité, c'est assez épique. Hein. Oula, bon. Bah. Oui, va bah, lécher dans la colle. Hein. Écoutez, ça arrive. Aïe. Techniquement, ils sont pas censés me rattraper. Hein. Hop. Putain, elle va vite. Ok, j'ai rien dit sur le V8 qui changeait rien. Il va carrément plus vite. Pour la blague. Ah, ça marche pas. Ah oui, il faut que je les mette, c'est vrai. Hop là. Non, c'était tout droit. Merde. Hop. Merci pour la ferraille. Hop les. Ok. Hop les. Hop. On va faire réparer la voiture à Chum quand même. Do your thing. Allez, hop. Allez. Parfait. Hop. Et voici la course. Ah, je touche, dommage. Bon, c'est pas grave. Hop. Allez, se la faire. Once more into the fray. Your name in lights, snuffing out the bush league race cases who only know how to die. Crac. Écraseur cuirassé, bête de vertu, chariot Big Chief. Écraseur cuirassé. Parce que je crois que le chariot Big Chief, c'est quelque chose qu'on a eu obtenu dans une mission, donc j'ai pas envie de le faire avec, en tout cas pas tout de suite. De toute façon, je pense que je ferai qu'une seule fois toutes les courses, hein, vous inquiétez pas. T'es sérieux? Hop. Ok. Ok. Ça se conduit mal, hein. J'accélère plus une fois que je vais dans le sable, c'est d'une violence. Oh non! Il freine! Il freine, chers amis! Il est pas sérieux, ce mec.
What? Tu vas te calmer? Honnêtement, je pense que je suis déjà plus en mesure. Ok, on la refait. C'est un camion, hein, mais c'est pas grave, ça vole aussi bien que n'importe quelle autre voiture. Même que ça vole aussi bien qu'un scooter. Ça vole aussi bien que, qu'un brin d'herbe aussi. Que de la poussière. Que du sable. Oh la gueule. Oh la gueule. Vous avez de la chance d'avoir protégé vos pneus. Hein. Ah, c'est ça, casse-toi! Casse-toi! Mais non! Putain! Oh nom de Dieu! Hop! Je sais pas si on fera toutes les reliques historiques. Hop. Mais non! Mais casse-toi! À chaque rapport, j'accélère plus vite que lui. Mais non! Mais bien sûr! Le mec, t'as le choix entre la course et la mort. Je choisis la mort. Ma remarque, c'est des Warboys, hein, ils choisissent la mort. Non! Putain. Caillou de merde. C'est pas possible. Ah, nom de Dieu. Va-t-on y arriver? Va-t-on y arriver, sérieusement? Une longue série de coups pour passer plus vite en mode fureur, d'accord, d'accord, ok, ça je connais bien depuis le temps que je joue au jeu, hein. Laissez-vous pousser la barbe! Mais bien sûr! C'est vrai que la mienne est un peu longue. Hop, les. Non. Hop. Moi d'abord. Hop. Hop. Ça m'a aidé à prendre le virage. Ok. Ouh, dans la côte, c'était dur de raccélérer. Hop. Alors là, si vous me pondez une équipe de mecs qui arrive sur ma route, ça va pas le faire. Hop. Alors, ça se passe pas trop mal. Je me suis inquiété une seconde, il n'y avait plus le rouge sur la route. Bon, là, je suis à fond de cale par contre. Hein. Je suis à fond de quatrième ou de troisième, parce que vu le bruit, rien n'est moins sûr. Non, surtout pas. Non. Non. J'ai raté la légende. J'ai roulé à fond, mais j'ai raté la légende. Ah, oh, fais chier. Fais chier. M'en fous. M'en fous. M'en fous. Je boude. J'ai roulé à fond, le véhicule pouvait pas rouler plus vite, et il me donne même pas le truc. Ok, je boude le jeu. Je boude le jeu, je mets fin à l'épisode. Rage quit. Je rage quitte l'épisode. Allez, salut les gens, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure dans Mad Max. Salut. Rage quit.